Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. ¿Qui écrit cette citation? C'est Sor Juana Inés de la Cruz, une incroyable écrivaine. Qui est Sor Juana? Tu ne la connais pas? Attends, je vais te raconter son histoire. Juana Ramírez de Asbaje, N.A. San Miguel de Nepantla, au pied du Popocatépetl, le 12 novembre 1651. Papi, papi, écoute, maintenant je sais lire toute seule. Retrata, pintor, al cielo, todo bordado de nubes. Y retrata un prado ameno, todo cubierto de flores. C'est bien, Juana. J'ai un cadeau pour toi. Tiens, prends cette plume. Elle ne te servira pas à voler, mais te permettra d'écrire, pour que tes idées s'envolent. Puis, un jour, le grand-père de Juana meurt. Un jour, Juana apprend qu'il y a une université à Mexico. Et comme elle aime étudier, elle veut y aller. Le problème est que Juana est une fille et seuls les hommes ont le droit d'étudier. Elle élabore alors un ingénieux stratagème. Maman, j'aimerais que tu me coupes les cheveux très courts, s'il te plaît. C'est très important. Bien sûr, Juana. Pourquoi veux-tu tes cheveux ainsi? Tout simplement pour aller à l'université de Mexico. Maintenant, je n'ai plus qu'à m'habiller en homme. Non, mais en voilà des façons. Les filles ne peuvent étudier. Allez, va plutôt jouer avec ta poupée. Elle part ensuite vivre chez sa tante à Mexico. Quand est-ce qu'on arrive? Penses-tu à ton grand-père? Oui, je repense surtout au moment que nous avons passé dans cette bibliothèque en lisant et en écrivant. Je sais, tu étais très proche de lui. Oui, mais quand est-ce qu'on arrive? J'ai hâte. Bienvenue à la ville de Mexico. C'est magnifique. Juana passe 7 ans avec sa tante. Puis elle devient dame de compagnie de la marquise de Mancera, la vice-reine de la Nouvelle-Espagne, grâce à qui elle participe à des salons auxquels assistent les plus grands intellectuels de l'époque. Je te dis, c'est Pythagore, le vrai inventeur de la mathématique moderne. Seulement avec son théorème, on peut vraiment prouver la nature d'un triangle. Seulement avec la triangle. Non, non, je suis des triangles que tu sais rien. Bonjour, madame la marquise. Qui est cette jeune femme qui vous accompagne? Bonjour, monsieur. Il s'agit de señorita Juana Ramírez Asbaje, madame de compagnie. Oh. Quelle est la raison de la présence de votre dame de compagnie dans un salon d'intellectuels? Elle a d'incroyables connaissances, soyez-en certain. Je vous propose d'en juger par vous-même. Une femme savante, quel exotisme! Voyons voir, qu'est-ce que c'est, pi? 3,14,15,86,54. Oh! Elle est bien la seule à le savoir. Encore une question. Quelle est la traduction de cette citation latine? Dum spiro, spero. Tant que je respire, j'espère. Oh. Je peux même ajouter que Cicéron en est l'auteur. Oh. Je vous l'ai dit, elle est incroyable. Quel dommage que ce soit une femme, sinon nous l'aurions déjà consacrée comme âme la plus brillante de toute la Nouvelle-Espagne. Cette année-là, elle publie sa première œuvre. Elle écrit des sonnets en hommage aux grands de l'époque. On vient de loin pour écouter ses discours sur les sciences et les lettres. Parfois pourtant, elle est désespérée. Ah, oh, pour moi la beauté doit se refléter dans mes œuvres et non sur mon apparence. Oh. Juana de Asbaje, vous êtes la plus belle femme que je n'ai jamais vue. Non, va-t'en. Oh, oh, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir se marier. Oh. Estoy harta.
Juana Inés avec tant de prétendants. Je pense que l'heure de vous marier est venue. Non, je refuse de me marier et d'être dépendante d'un homme. Le seul moyen, c'est d'entrer au couvent, de vous consacrer à Dieu et devenir sœur. J'accepte. Je ferai tout pour ne pas me marier. Mon amour est consacré aux livres et aux lettres. Il le sera également à Dieu, désormais. Juana décide d'aller au couvent des Carmelitas. Elle devient Sor Juana. Mais comme le régime est trop dur, elle part au couvent de San Jerónimo. Yo no puedo tenerte ni dejarte. Ni sé por qué al dejarte o al tenerte. Se encuentra un no sé qué para quererte y mucho sí sé qué para olvidarte. Pues ni quieres dejarme ni enmendarte. Yo templaré mi corazón de suerte que la mitad se incline a aborrecerte, aunque la otra mitad se incline a amarte. Les écrits de Sor Juana inquiètent la hiérarchie, c'est-à-dire l'Église, parce qu'elle y dénonce les travers des hommes. Elle est condamnée à se séparer de ce seul patient et ses seules raisons de vivre, sa bibliothèque et l'écriture. Non ! Ah ! Non ! Où vont mes livres? Elle n'a plus le droit de lire d'autres livres que la Bible. Quelque temps après, en 1695, elle attrape la peste. Ayant perdu toute envie de vivre, elle meurt dans le silence. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. In nomine Patris et Spiritus Sancti. In nomine... Ici repose en paix Sor Juana Inés de la Cruz. In nomine Patri, et Filii, Spiritus Sancti. Amen. Quelle incroyable histoire! C'est le Mexique d'aujourd'hui, c'est amusant. Les hommes sont plus tolérants envers les femmes, mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour obtenir la parité. Ah, tu reviens, tant mieux. Tu m'as fait peur. Je pensais que tu m'avais abandonné. À bientôt, Mexico.